Bonjour Claude. Bonjour Thierry. Merci de nous recevoir chez toi. Aujourd'hui, tu vas nous parler du thérapeute, du formateur et de la biologie émotionnelle. Claude, qui es-tu? Moi, je suis un homme de métaphore. Voilà. Je suis un paysan, je laboure la terre. Quand je dis je laboure la terre, je vais chercher les mémoires. Quand je dis je sème des graines, c'est avec des mots, je vais éveiller des curiosités, je vais permettre une élaboration psychique et corporelle dans l'individu. C'est quoi un thérapeute? Le thérapeute est un mot grec, hein, et là on va se rapprocher de Jean-Yves Leloup quand il nous parle des thérapeutes d'Alexandrie. C'est Philon qui parle. On est contemporain de Jésus. Et à cette époque-là, les soins déjà existent, la médecine existe, mais il y a des personnes qui vont prendre soin de l'être. Ça, c'est la définition du thérapeute. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper du corps, mais aussi du psychisme, de l'être, de ce qu'ils appellent les humeurs, c'est-à-dire les dépressions, les excès de joie, les addictions. Et ces thérapeutes, eh bien, ils ne guérissent pas. Ils prennent soin, ils soignent. Et ça, c'est fondamental. Je me définis comme un bâtisseur. Pourquoi un bâtisseur? Parce que je construis et je sais construire. Pour construire, il faut des fondations. Les fondations en thérapie, c'est les croyances. Les fondations en thérapie, c'est ce dont on a hérité. Et on va en tenir compte. Ça veut dire que je me sers de ma vie de manuel pour aborder les thérapies sous un angle très métaphorique et très sécuritaire. On ne se lâche pas des deux mains et des deux pieds. On pose et on va chercher ce qui est derrière. Quand j'étais paysan, quand les vignes changeaient de couleur, eh bien on appelle ça la chlorose, c'est qu'il se passe quelque chose de dessous dans la terre. Et la réponse, elle n'est pas au niveau du visible, parce que voilà, qu'est-ce qu'il nous dit le visible? Rien, c'est de comprendre qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est exactement ça. Dans chacun de nous, quand dans notre inconscient, quand dans notre intérieur, on n'est pas en face, on est décalé, eh bien il va y avoir un symptôme qui apparaît. Et ça, je ne peux pas le sortir du paysan, parce que le paysan, voilà, c'est quelque chose qui est très ancré dans la terre. Du guide, parce que pour emmener les gens là où je les emmène, eh bien j'y ai déjà été, donc je me considère aussi comme un guide de montagne. Je suis tout cela à la fois, parce qu'on ne va pas dans ces terres psychiques-là sans garantie et sans savoir. Donc c'est le travail sur soi, c'est tout ce dont j'ai extrait de ma propre terre qui me permet de thérapiser aujourd'hui dans des conditions optimales. Et que je remets en cause chaque jour, dans le respect du patient, de son évolution. Et le formateur? Bien, le formateur, lui, il arrive parce que former, c'est semer des graines. C'est bien de prendre soin des gens, mais c'est aussi intéressant de semer des graines. Je suis aussi un paysan, un maçon, un tailleur de pierre. J'ai aussi passé ma vie à semer pour nourrir. Là, je sème d'autres graines. Donc, formateur, c'est éveiller, c'est préparer un terrain pour que les graines du futur puissent pousser et donner des êtres autonomes, conscients. C'est ça. Formateur, c'est hyper intéressant, c'est très valorisant. Et puis, voilà quoi, je suis vraiment à ma place. Alors Claude, la biologie émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est de l'humain. La biologie émotionnelle, c'est associer un corps, de la chair, des os, à une histoire, à une émotion. C'est relier les deux. C'est ne plus couper cet homme entre son corps d'un côté et ses ressentis de l'autre. La biologie émotionnelle, c'est je reçois un homme dans mon cabinet. Cet homme, il est couvert d'eczéma. Il est couvert d'eczéma et de prurite, c'est-à-dire que
Il se gratte, il a la peau en feu, et ça dure des années, des années, des années. Et là, c'est pareil, hein, la médecine a fait son travail, mais elle n'a pas pu terminer ce processus. Et quand il vient me voir, il est toujours au contact de cette souffrance. Moi, je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'il a vécu avant l'apparition du symptôme? Et cet homme va nous parler de lui. Et il va me dire, j'ai perdu ma femme. Et elle est tout pour lui. Cet homme est amoureux comme au premier jour. Et sa femme va partir d'un cancer. Et il va avoir devant lui le spectacle de cet être qui va se délabrer, qui va maigrir. Et il va être séparé de l'image de la belle personne. Et il va être au contact de ce corps qui est en train de disparaître et d'être très agressif. Ce qu'il ressent, à qui peut-il en parler? Personne. Et donc il est avec ça et il engrame. Son épouse va mourir et lui après, il va réparer ce qu'on appelle, c'est-à-dire sortir un eczéma général. Pourquoi général? Parce que tout son être a été impacté. Le fait d'avoir permis à cet homme de revivre, d'exprimer ce qui s'est passé pour lui, va libérer le symptôme. Et cet homme va pouvoir retraverser tous ces moments difficiles, éprouvants. Il va non seulement se libérer émotionnellement, et il va s'autoriser en plus à vivre après. Aujourd'hui, cet homme n'a plus d'eczéma, n'a plus de prurite, et il est avec une compagne. Ça, c'est la biologie émotionnelle. C'est-à-dire, on va associer à de la chair, on va associer à un organe, une histoire émotionnelle douloureuse. D'accord. Et toi, ton travail, c'est de ramener cet homme-là à un instant? Oui. Le symptôme n'a d'intérêt que pour indiquer que quelque chose s'est vécu et n'a pas été achevé. Il y a une émotion qui a été bloquée, figée. Et le boulot du thérapeute, c'est de l'interpeller sur l'histoire qu'il a traversée, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qui est resté figé, qui a été engrammé dans les cellules, pour libérer cela. Quand l'inconscient voit qu'il a été entendu, l'inconscient libère le symptôme. C'est un peu le propos de la thérapie en biologie émotionnelle. D'accord. Si tu veux, j'ai un deuxième exemple. Il y a un homme qui vient me voir. Lui, il a la cinquantaine d'années, il a mal au dos. Il a mal au dos, et le 4 et le 5. Et il a mal au dos depuis des années, et ce mal au dos ne passe pas. Et donc, mon boulot à moi, ça va être de quelle histoire ces deux vertèbres sont les porte-paroles. Alors je vais le questionner. Je vais le questionner sur les cycles. Je vais le questionner et à un moment donné, je vais être amené à lui demander qu'est-ce qu'il a vécu à 6 ans. À 6 ans, cet homme va être déposé chez des paysans qu'il ne connaît pas parce que ses parents veulent partir en vacances tranquille. Ils ne l'ont pas prévenu. Ce gamin se retrouve dans un paysage inconnu, des personnes inconnues, et il voit ses parents. Et là, pour un gamin, c'est terrible. Et là, il va vivre une dévalorisation. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et en biologie émotionnelle, eh bien voilà, les dévalorisations, ça se pose sur le système osseux, ligamentaire, tendineux. Et lui, il va profondément impacter son image et son estime de soi. Ça va être engrammé. Et à un moment donné, il va y avoir un déclenchant, c'est-à-dire qu'il va faire une chute, et il va taper sur ces deux vertèbres-là, parce que celles-là sont en souffrance. Le but de la thérapie, ça a été de lui proposer et de lui permettre de retrouver le ressenti de l'enfant. Et là, il y a un moment magique, hein. Ça veut dire qu'on a tous notre enfant intérieur, et que le propos, c'est de le faire rentrer, rejoindre cet enfant-là et exprimer. Et quand je m'exprime, je me libère. Quelques jours après, il n'avait plus mal au dos. D'accord. Et depuis, il n'a plus mal au dos? Non.
Depuis, il n'a plus mal au dos. Ça veut dire qu'on a été chercher vraiment le programmant et la racine de sa dévalorisation. Donc il a arrêté de se dévaloriser. Oui, oui, parce qu'il a simplement, il s'est permis de vivre. On ne résout pas un problème, ouais. On le vit. Voilà. C'est, je ne vais pas éviter de vivre, je vais au contraire rentrer dedans, traverser, me laisser traverser par l'émotion et le ressenti pour renaître neuf. Donc le propos c'est ça, c'est il se retrouve lui à travers l'enfant qu'il était, l'adulte qu'il est. Il a grandi. Il a grandi, ouais, tout à fait. Donc Claude, comment tu en es arrivé justement sur ce chemin, hein, sur cette discipline qu'est la biologie émotionnelle? C'est quoi ton parcours? Eh bien, voilà, j'étais un paysan, hein, j'étais un maçon, rien me destinait à ça, rien du tout. Si ce n'est que arrive un enfant et cet enfant est atteint d'une maladie, il a une tumeur dans la moelle épinière à l'âge d'un an et demi. Ton enfant? Mon enfant. Et là, c'est un gros problème parce qu'il est condamné. Et s'il n'est pas condamné, il va être coupé des trois quarts du corps. La tumeur, elle est des 4, des 5, des 6, des 7. Et donc tout ce qui est dessous ne fonctionnera plus. Donc quand j'apprends ça, quand on apprend ça avec mon épouse, eh bien, on se dit, on ne va pas accepter ça. On va chercher ailleurs. Et on s'est mis en quête d'autres réponses, on s'est mis en quête d'autres possibles. Et en cherchant, eh bien, on est tombé sur Christian Flech, hein, qui lui nous a proposé la compréhension du décodage biologique, et on a été le voir. Et c'est là où j'ai découvert le travail sur soi. Et voilà, je suis tombé des nues. Hein. Et j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai pleuré le Rhône, hein. C'est ce que je dis, hein, parce que voilà, j'étais brut de décoffrage, je n'avais pas idée, moi, de tout ce qu'il y avait derrière moi. Et c'est la rencontre avec cette compréhension des symptômes et des maladies, le décodage biologique, qui m'a amené là-dessus. Avec ça, on a rencontré un homme extraordinaire, le docteur Léna, qui a opéré mon fils, et qui a permis que tout se passe bien. Donc, mon enfant est sauvé, et moi, j'avais eu le virus. Et un jour, Flech me dit, pourquoi tu ne suivrais pas des formations? Et je suis rentré en formation, et là, j'y ai passé une bonne dizaine d'années à me former à toute cette compréhension-là. Aujourd'hui, tu transmets au travers de formations, aujourd'hui au travers de vidéos, ouais. Cet enseignement. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de justement le transmettre? C'est ce que je disais, planter des graines, éveiller. Je me situe plus comme un catalyseur. C'est-à-dire, je bine, ce n'est pas moi qui fais pousser, mais je prépare les conditions pour que cela puisse se faire. Je sais que je suis un pédagogue, j'ai quelque chose à donner, à transmettre, ça je le sens, c'est à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui je peux le faire pour une émancipation. Aujourd'hui je le fais pour que les hommes et les femmes et les enfants puissent se rejoindre et être autonomes face à ce qu'on appelle la maladie. Et ça, voilà, c'est pour moi, c'est un soleil qui se lève. Hein. Souvent, je me comparais à Galilée, c'est-à-dire Galilée, il arrive, hein, on est en 1500, et lui, voilà, Galilée, c'est l'Italie, la Terre, ben, c'est une pizza, hein, parce qu'elle est plate, hein, on est là-dessus. Hein. Et lui, la nuit, il étudie les étoiles et il se rend compte que eh, c'est pas le soleil qui tourne, c'est la Terre. Et ça, c'est la révolution. Et ça, ça a fait avancer l'homme. Et là, on est confronté à ça, c'est-à-dire le paradigme que la maladie n'est pas une méchante chose, une mauvaise chose. Elle est quelque chose pour nous. On a à en retirer quelque chose. Jung le disait, hein, je ne voudrais pas être guéri d'une maladie dont je ne sais pas ce qu'elle m'a apporté. Donc on est dans cette filiation-là, hein. Moi, je me sens être porteur de ça. Voilà.
Combien ça fait de temps que là maintenant que tu es dans la biologie émotionnelle, que tu es thérapeute et formateur? À peu près. J'ai commencé en 2003, donc ça fait D'accord. une quinzaine d'années. Et est-ce que tu sens une différence entre l'accès à cette discipline-là au moment où toi tu l'as rencontré en 2003 et aujourd'hui? Est-ce que Ah tu sens que ouais. ça s'ouvre autour de toi? Est-ce que tu sens que les gens sont ouverts à cette compréhension-là? Ah oui, là il n'y a pas photo, hein. En 2003, le décodage biologique était considéré comme une secte. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de méfiance. La grande méfiance, elle était que la médecine, les docteurs avaient peur que les thérapeutes conseillent aux patients d'arrêter les traitements. Ça, c'était la grande peur, quoi. Et nous, on fait partie de la première génération des thérapeutes qui avons été formés à l'écoute, qui avons été formés au respect. Et donc, résultat, jamais de la vie, on ne demandera à un patient d'arrêter un traitement. Au contraire, toutes les personnes que je rencontre ont consulté avant et toutes continuent leur traitement. Le propos, ce n'est pas à la place, c'est en complémentarité. C'est dans la suite des choses. Et c'est important de le préciser parce que ce n'est pas à la place de la médecine ou contre la médecine, c'est avec. Oui. C'est main dans la main, on avance. Ça, c'est important. Au début, effectivement, les gens avaient du mal à penser que les maladies pouvaient être psychosomatiques. Alors, ils étaient d'accord pour les maux de ventre, les petits trucs anodins. Mais aujourd'hui, on avance de plus en plus et certaines maladies, comme le cancer, eh bien, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord pour penser qu'il y a une origine psychosomatique. Donc, ça avance. Très rapidement, hein, 15 ans au niveau de l'évolution, c'est rien du tout. Et aujourd'hui, on est beaucoup mieux accueilli. Il y a une demande de travail et de compréhension qui se fait dans ce sens-là. Il y a un fort mouvement de la population pour aller au-delà du corps, c'est-à-dire rejoindre l'esprit et le corps, le conducteur de la voiture et la voiture. Donc là, oui, ça évolue bien, c'est positif et c'est tant mieux, et c'est avec la médecine et les docteurs. D'accord, c'est important de parler et de prendre cette précaution-là, parce qu'on a tendance à croire que parce qu'on va savoir l'origine, et mentalement l'origine, qu'on va savoir connaître ou lire l'origine et se dire, tiens, c'est ça qu'on va guérir, mais ce n'est pas le cas. Non, non, ça, Et le premier Hammer l'a cru, lui il découvre. Lui il a cru qu'en disant, voilà, tu es malade parce que tu as perdu ton fils et donc tu as fait un cancer du testicule. Lui, il a pensé que ça suffisait. Non, il faut aller dans le ressenti, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer. Il faut que l'inconscient le prenne en compte. Voilà. Donc, savoir c'est bien, c'est déjà une prise de conscience, mais il y a tout un travail de thérapie qui prend du temps. Ça veut dire que le rythme de la personne, eh bien, on ne peut pas aller plus vite. Et la maladie a son propre rythme. Ça veut dire qu'il est impératif que les personnes soient suivies dans un traitement. Ça permet la sécurité. Et nous, à l'intérieur de ce cadre-là, on peut travailler la psychologie, on peut travailler les ressentis en sécurité. Et donc, tout va bien. Et aujourd'hui, il y a des docteurs qui collaborent. Hein, parce que voilà, eux n'ont pas le temps dans leur consultation de consacrer une heure et demie à un patient. Et donc je les reçois. D'accord. En tout cas, ça fait du bien d'entendre que voilà, c'est pas quelque chose qui est incompatible, mais quelque chose plutôt qui est avec, Ouais. en Complémentaire. Ouais, complémentarité. c'est complémentaire. C'est pas alternatif, Voilà. c'est complémentaire. C'est complémentaire et c'est important. Ouais, tout à fait. Claude, merci. Merci à toi, Thierry.